comme ambassadeur et chargé d'affaires et consul généraux et consul honoraire pour concertation avec, avec le CNRD, pour le bien de la Guinée et pour le meilleur pour la Guinée tout simplement. Et nous sommes prêts et nous sommes engagés à être aux côtés de la Guinée pour le meilleur et pour le pire en tant que pays ami. Je représente le Liban qui a une grande communauté ici en Guinée et le Liban a été toujours aux côtés de la Guinée et nous le serons toujours parce que nous considérons que la Guinée n'est pas seulement un pays ami, nous considérons que la Guinée est un pays frère. Il y a beaucoup de Libanais qui sont mariés avec des Guinéens et vice versa. Il y a de l'espoir pour cette concertation, pour le début de cette concertation. Sûrement, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et la Guinée a beaucoup de ressources pour se relancer et pour être un des meilleurs pays d'Afrique. Vous avez tout pour réussir en Guinée. Vous ne manquez ni de ressources humaines, ni de ressources naturelles. Vous avez tout pour avoir un très beau pays et pour avoir un pays prospère et qui a beaucoup de succès. Vous prenez encore votre nom et la fonction? C'est Fadi Zain, ambassadeur du Liban. D'accord. Merci bien. Merci beaucoup. La photo. Oui, bien. Aille vers le mieux et que la Guinée puisse être un pays prospère et un pays avec beaucoup de succès. Est-ce que vous lui avez fait des propositions pour une transition? Non, franchement, non. Nous avons souhaité la bonne route et nous avons souhaité le succès pour la Guinée et pour les hommes en place maintenant au pouvoir. Et ça, on le souhaite de notre cœur parce que nous aimons la Guinée.